Merci. Nous allons lire la Bible. Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 7. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 1. Deux Rois, chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittiens et les rois des Égyptiens pour nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Nous avons lu jusqu'au verset 8. Aujourd'hui, c'est exactement 56 ans que j'ai reçu le pardon des péchés. C'est le 7 octobre 1962 que j'ai rencontré Jésus. C'est un jour inoubliable. Depuis que j'étais petit, j'allais à l'église. De temps en temps, parce que j'avais faim en ce moment-là, je faisais de mauvaises choses avec mes amis. Donc on allait voler des melons dans un champ de l'autre. On allait pour cueillir des pommes des autres et des kakis. Et je me rappelle très vivement, même aujourd'hui, depuis que j'étais petit, j'allais à la dévotion matinale pour aller au paradis. Donc j'étais comme une alarme pour le pasteur. C'est moi qui réveillais le pasteur. Parce qu'en ce moment-là, l'alarme n'existait pas. Donc après la dévotion matinale, je prie. Dieu pardonne mes péchés. Et à la fin de ma prière, je dis toujours, empêche pour que je n'aille pas rencontrer mes amis ce soir. Vraiment, je ne dois pas aller rencontrer mes amis, sinon je vais voler encore. C'est ainsi que je priais sincèrement de tout mon cœur. Mais il y avait une force que je ne pouvais pas identifier qui me tirait à aller voir mes amis. Et je me rendais compte, ah, aujourd'hui encore, je suis venue ici. Chaque jour, je faisais de mauvaises choses. Mais le 7 octobre 1962, lorsque j'ai compris que mes péchés ont été pardonnés, ce qui est étonnant est que je n'ai jamais pensé, après mon salut, de ne plus aller voir mes amis, mais je me suis vue en train de lire la Bible chez moi. Donc j'étais très surpris de mon changement, et c'est mon père d'abord qui a su de mon changement. Lorsque j'étais à l'école de mission, mon père était venu
Et il avait dit au missionnaire qui était avec nous, vous savez, mon fils Ouksou, lorsqu'on lui demande de faire quelque chose, il ne va pas jusqu'au bout. Lorsque je lui demandais de faire quelque chose, je n'ai jamais vu achever un travail. Mais déjà, je vois que il a commencé ce travail-là. Mais vu qu'il n'a pas encore quitté, mon père, il était très surpris. Qu'est-ce que mon père, il m'a dit? Ah, ça, c'est fait pour toi. Alors, il a demandé au missionnaire, puisque ce travail va bien à Ouksou, il faut bien le guider pour qu'il soit un serviteur de Dieu. Je pense que mon père, il l'a vu exactement. Parce que moi, lorsque je commence quelque chose, je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mon père me disait, lorsque je commence quelque chose, je ne continue pas jusqu'à la fin. Lorsque mon père il est venu à l'école de mission, il était très surpris de me voir continuer ce travail alors que normalement il était temps de quitter. Je n'ai jamais essayé de faire quelque chose ou d'être comme d'être ce que je suis. Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur détermination et leur décision, ça compte, mais ce n'est pas vrai. Même si on se décide, même si on se détermine, il y a une force qui conduit notre cœur. Et c'est en lisant la Bible que j'ai compris ceci. Judas Iscariot a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Et dans Jean chapitre 13, verset 2, il est écrit « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer. » Satan nous dit, il nous dit pas « Il faut voler, il faut mentir, il faut faire quelque chose de mauvais. » Il nous dit pas de faire cela, mais il met ce cœur dans notre cœur. Lorsque je ministrais dans la ville de Taejeon, il y avait une jeune dame qui était possédée par un esprit mauvais, donc elle est venue pour que je prie pour elle. Donc en ce moment-là, je priais beaucoup pour les gens qui étaient possédés. Cette dame, elle était venue avec sa mère. Et à l'église de Taejeon, il y avait des chambres vides. Donc je leur avais demandé de rester dans cette chambre. Pendant quelques jours, un jour, je suis revenue à l'église et j'ai entendu des cris. Donc, je suis allée dans sa chambre et j'ai vu que cette dame, elle était en train de pleurer à haute voix. Elle pleurait et ça faisait beaucoup de bruit. Et c'était ma première fois de penser que, ah, une dame qui pleure, c'est pas joli à entendre parce que même les cris des enfants, ça fait mal aux oreilles. Alors je lui ai dit, calmez-vous, calmez-vous, arrêtez de pleurer. Mais elle pleurait continuellement, donc j'ai fermé la porte et je suis sortie. 3 jours plus tard, j'ai vu que sa mentalité est devenue très sainte. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que vous avez pleuré comme ça il y a 3 jours? Elle m'a dit, je ne sais pas qui, mais dans mon cœur, il y a une voix qui me dit de mourir. Cette voix me dit, tu n'as pas reçu le salut, tu vas aller en enfer. Mais si on va aller en enfer parce qu'on n'a pas reçu le salut, c'est normal de penser à recevoir le salut. Mais cette voix lui disait continuellement de mourir. Lorsqu'elle voit un grand camion qui passe, cette voix lui dit, c'est maintenant, tu as la chance de te tuer maintenant, cours! Cours vite, il faut te tuer. Mais cette dame ne voulait vraiment pas mourir. C'est pourquoi elle pleurait comme ça. Il y a des gens qui ont échoué de se suicider. Lorsque je parle à eux, ils me disent qu'il y a une voix qui leur dit de mourir. Meurs, la mort c'est la fin. Meurs, la mort c'est la paix. Si tu meurs, tu peux te reposer. Maintenant, il est temps de te reposer.
à la prison de Suwon pendant 5 ans et 5 ans à la prison de Daejeon. Donc ça fait 10 ans au total que j'ai enseigné les prisonniers. Lorsque j'allais rendre visite dans les prisons pendant 10 ans, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pu apprendre exactement comment est-ce que les gens commettent le péché. Lorsqu'une femme se marie et qu'elle tombe enceinte, au début, le bébé est une créature qui est presque invisible. Mais continuellement, à travers les divisions cellulaires, pendant 10 mois, cette créature devient un bébé. Et lorsque ce bébé se forme complètement, il ne reste pas toujours dans le sein de sa mère, mais ce bébé va sortir, va venir au monde. Je rencontre les prisonniers et ils me racontent comment est-ce qu'ils ont commis le péché. Ils ont tous des secrets, comment est-ce qu'ils ont commis le péché. Mais ce qui est intéressant, c'est que de plus c'est un secret, de plus ils ont envie de partager ça avec quelqu'un. Mais ils ne doivent pas partager avec n'importe qui. Mais puisque je suis pasteur, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour raconter comment est-ce qu'ils ont commis le péché. Parfois, je suis là à entendre ce qu'ils me racontent pendant 2 heures. Et ce que les gens disent toujours avant de commencer leur histoire, c'est que jusque-là, j'étais vraiment heureux. Et puis, ils commencent à me parler de comment est-ce qu'ils ont commis le péché. Et ils me disent qu'il y a une pensée qui les conduit. Les gens ne savent pas bien, mais cette pensée, d'après la Bible, c'est le mauvais esprit. De nos jours, les gens, ils ne croient pas ce qui n'a pas de preuves scientifiques. Mais il n'y a personne qui a vu un esprit mauvais ou il n'y a pas une photo d'esprit mauvais. Mais même si on ne peut pas voir, même si on ne peut pas toucher, il y a une existence qui existe, qui conduit notre cœur. Il y a vraiment beaucoup de gens qui commettent le suicide. Et puis, les gens qui font quelque chose, ce n'est pas par leur volonté, mais ils sont conduits par cette force. C'est surtout le cas des étudiants qui sont accros aux jeux. Ils disent « Ah, je dois arrêter maintenant, je ne dois plus jouer au jeu. » Non. Ils essayent de ne plus jouer au jeu, mais ils se disent « Ah, maintenant, ça fait un mois que je ne suis pas allée à la fac, alors je ne pourrai même pas terminer mes études. Mais je dois terminer mes études, je dois aller à l'école, donc je ne dois plus jouer au jeu. » Comme ça, ils montent dans le bus pour aller à la fac. Mais après 2 arrêts, ils descendent de bus pour aller jouer au jeu. En fait, dans le monde, les enfants, ils aiment tromper leurs parents parce que les parents se laissent tromper. La plupart des parents, ils pensent que leurs enfants sont très gentils. Une des choses stupides que les parents disent, c'est que mon enfant, il était gentil depuis qu'il était petit. Mais ça n'a pas de sens. Tout le monde est gentil quand on est petit. Parce qu'un enfant de 5 ans ne commet pas le meurtre, il ne commet pas l'adultère, il ne vole pas. Quand on est petit, on est comme ça. Mais en grandissant, il y a une force qui nous conduit. Lorsque je parle avec les meurtriers, ils me disent « Pasteur, en ce moment-là, je n'étais pas de moi-même. Il y avait quelque chose qui n'était pas moi, mais qui me conduisait. » Et en lisant la Bible, j'ai trouvé la solution à ce problème. Dans Jean chapitre 13, verset 2, il est écrit « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer. » Il a mis le dessein de le livrer. Dans Actes chapitre 5, Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Ananias et Saphira ont caché le prix du champ, mais que c'est Satan
qui a donné cette pensée. Alors je dis aux étudiants, maintenant je sais que tu veux arrêter de jouer au jeu, que tu veux étudier, que tu veux être un bon enfant. Mais et aussi lorsque j'écoute l'histoire des couples qui veulent divorcer. Lorsque j'étais à l'église de Daegu, il y avait une dame dans notre église. Elle était très forte. C'est une dame, mais elle est vraiment forte. Donc si je me battais contre elle, j'allais perdre. Et elle travaillait dans des champs de travaux. Donc maintenant, c'est avec une machine qu'on fait monter les briques à l'étage. Mais en ce moment-là, ce sont les travailleurs qui portaient ces briques pour monter à l'étage. Donc elle était très forte. Après les travaux, elle se sentait vide et elle allait boire un verre. Et elle disait qu'elle se sentait très bien. Donc elle louait une chambre. Et elle s'asseyait devant la porte pour chanter avant de dormir, parce qu'elle se sentait très bien. Mais à chaque fois, le lendemain, lorsqu'elle se réveillait, elle avait vraiment honte de ce qu'elle avait fait la nuit d'avant. Alors, quelqu'un qui était dans la chambre d'à côté a parlé à cette dame, et elle est venue dans notre église et elle a reçu le salut. Un jour, elle est venue chez moi, j'étais avec ma femme et elle me parlait de son divorce. Elle vivait très bien avec son mari, mais un jour, ils étaient en train de regarder la télé et il y avait une belle femme. Alors, le mari avait dit, « Oh, mais elle est très belle !» Alors, la dame, elle se sentait pas bien et elle a dit, « Alors, vis avec elle, pourquoi tu vis avec moi ?» Alors son mari lui a dit, ah, je t'ai pas dit, j'ai oublié de te dire, mais c'est que avant de me marier avec toi, je sortais avec une demoiselle qui était très belle. Ça aurait été très bien si je m'étais mariée à elle. Et cette dame aussi a répondu, moi aussi, avant de me marier avec toi, je sortais avec un bel homme. J'allais me marier avec lui, je sais même pas pourquoi je me suis mariée avec toi. Mais on sait que tout ça, ce sont des mensonges. Mais le mari lui a dit, alors même maintenant, il n'est pas trop tard. Alors ils se sont dit, divorçons-nous. On va se divorcer. Toutes ces choses-là, ça ne venait pas vraiment du fond du cœur. Mais cette dame, elle se disait, mais mon mari, il ne me demande pas pardon, pourquoi est-ce que je vais lui demander pardon? C'était la même chose pour ces deux personnes, alors ils se sont divorcés. J'ai demandé où est-ce que ton mari vit? Et qu'il vit près de chez elle, dans la même ville, Daegu. Et je lui ai demandé si son mari s'est marié, qu'il s'est déjà marié et qu'il vit avec une autre femme. Si ce n'était pas le cas, ça aurait été vraiment facile qu'elle aille voir son ex-mari. Donc lorsque je vois ce genre de choses, ce n'est pas une grande chose. En Corée, je rencontre beaucoup de gens qui ont des problèmes entre mari et femme. Généralement, lorsqu'ils vont au travail, ils sont vraiment logiques. Même pour 10 centimes, ils sont vraiment stricts. Donc, ils ne mêlent pas leurs émotions dans leur travail, mais dans la relation conjugale, toujours il y a de l'émotion. Et lorsque j'écoute leur histoire, c'est vraiment marrant. Alors que c'est le problème de mari et femme qui est très plus important, mais ils mêlent vraiment de l'émotion, alors que dans leur travail, ils sont vraiment logiques. Ils n'ont pas de problème de 10 centimes, même de 1 euro. Mais toujours dans la relation conjugale, toujours, ils sont très émotifs.
C'est à cause de cette émotion-là que le taux de divorce est très élevé. Lorsque j'écoute leur histoire, ce sont des gens qui sont censés ne pas se divorcer, mais pourquoi cette personne s'est séparée de son mari? Dans ce genre de choses, il y a un esprit qu'on ne peut pas voir de nos yeux, qu'on ne peut pas prendre en photo, qu'on ne peut pas observer avec des lentilles. C'est une existence invisible. C'est elle qui met ce cœur-là en nous. Alors à partir de ce moment, même si on se dit je vais arrêter, je vais plus continuer, on ne peut pas se libérer de cette pensée. Lorsqu'on se rend compte exactement de cette chose, je suis sûre que le taux de divorce va tomber à moitié. Si le taux de divorce diminuait en Corée, il y aurait peu d'enfants qui auraient des blessures dans leur cœur et qui vont aller dans une mauvaise voie pour tomber dans le crime. Donc les gens qui normalement devraient participer au développement du pays, ils vont commettre le péché, aller en prison, se nourrir, se vêtir et se loger avec l'argent du gouvernement. Donc c'est dommage pour le pays. Je paye mes taxes. Mais je pense que, de ce point de vue, j'apporte des bienfaits pour le pays. Parce que guider les gens afin de mener une vie nouvelle, c'est un travail très précieux. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Même dans notre vie, lorsqu'on analyse précisément les pensées qui montent dans notre cœur, on peut distinguer d'où vient cette pensée. Il y a des gens qui font des jeux d'argent, alors pour s'empêcher de jouer à l'argent, ils coupent leurs mains. En jouant à l'argent, ils perdent leur maison, la famille est en difficulté financière. Et aussi la femme, parce qu'elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas acheter de bons légumes. Et les enfants, ils n'ont pas de stylo pour aller à l'école. Alors en voyant ça, le papa, il se met en colère. Ah si, je ne joue pas à l'argent, je peux acheter un tas de stylos. Si je n'avais pas joué à l'argent, on peut manger quelque chose de délicieux. Alors, pour s'empêcher d'aller jouer à l'argent, ils coupent leurs mains. Mais plus tard, lorsque la femme, elle est allée voir son mari, elle a cherché partout. Donc dernièrement, elle est allée voir là où on joue au jeu d'argent et elle a vu que son mari était en train de jouer en mettant les cartes entre les doigts de pied. C'est pourquoi moi je dis aux policiers qu'il ne faut pas arrêter les gens qui commettent le vol, mais si on arrête le diable qui contrôle pour que les gens commettent le vol, alors tout le mal va disparaître. Alors les policiers n'auront rien à faire. Ils vont perdre leur travail. Donc les gens, ils sont conduits par l'esprit mauvais, ils ne savent pas pourquoi. Et lorsque cet esprit dit de se battre contre leur mari, alors ils crient, ils renversent la table. Donc lorsque on analyse tout cela, ce n'est pas par nous-mêmes, mais nous sommes conduits par l'esprit mauvais. Même si nous ne savons pas grand-chose de la vie spirituelle, on voit que, ah, même si je ne veux pas faire ça, même si je n'ai pas la volonté de faire ça, il y a un cœur qui me conduit à faire cela. C'est l'esprit mauvais. Moi, je vais arrêter de jouer au jeu d'argent, je vais arrêter de prendre la drogue, je vais arrêter de jouer au jeu, je veux arrêter de voler. Mais tout cela, c'est l'esprit mauvais qui me conduit. Si je suis cet esprit mauvais, je serai ruiné. Lorsqu'on arrive à penser de cette manière, les gens, ils peuvent éviter
le grand malheur de leur vie. L'esprit mauvais ne détruit pas la vie, mais il détruit la vie spirituelle. Donc la parole de 2 Rois chapitre 7 qu'on a lu ce matin, je suis sûre que vous avez appris par cœur tellement que j'en ai parlé. En ce moment-là, la famine était très grave à la Samarie. Les Syriens, ils étaient venus attaquer, mais puisqu'ils ont fermé la porte de la ville, en ce moment-là, il n'y avait pas de canon pour détruire la porte. Donc les Syriens, ils ne rentraient pas, mais à côté de la porte, ils étaient en train de se reposer. Mais c'est que pour le peuple d'Israël, les champs se trouvaient pas à l'intérieur de la ville. Même si leur maison était à l'intérieur de la ville, les champs c'était en dehors de la ville. À la Samarie, il y avait seulement le mur entourait seulement le quartier du roi, mais tous les champs se trouvaient à l'extérieur de ce mur. Et l'armée syrienne ne rentrait pas et s'exerçait, il s'amusait, il restait là-bas. Un mois passe, un an passe, deux ans passent. Et puisque les Israélites, ils ne peuvent pas sortir de la ville pour travailler la terre, ils n'ont pas de céréales pour manger et il y avait de la famine. Si on restait comme ça, tout le monde allait mourir de faim. En ce moment-là, les lépreux ne pouvaient pas vivre à l'intérieur de la ville. Ils vivaient à l'extérieur de la ville. Ils vivaient dans les montagnes. Lorsqu'ils vivaient dans ces montagnes, et lorsque la nourriture était abondante dans la ville de Samarie, ce sont les enfants, les neveux, les cousins qui allaient leur apporter de la nourriture. Mais puisque dans la ville, tout le monde est affamé, qui est-ce qui va penser à ces lépreux? Même si c'est la famille, même eux-mêmes, ils sont en train de mourir de faim. Alors ces lépreux, ils avaient faim, donc ils avançaient un pas et un pas et ils sont venus près de la ville. Mais puisque la porte était fermée, personne ne leur apportait de la nourriture, ils attendaient simplement. Mais un jour, l'homme de Dieu parle. Écoutez la voix de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. Une mesure de fleur de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle. Alors qu'en ce moment-là, pour une mesure de fleur de farine, ça coûtait plus de 10 000 sicles. Mais il dit, demain à 7 heures. Donc, c'est une nouvelle qui apporte de la joie. Comment est-ce que le serviteur de Dieu, il dit cela? Lorsqu'on lit la Bible, on s'approche de Dieu, on connaît le cœur de Dieu, et puis l'Esprit de Dieu conduit notre cœur. On peut expérimenter ça. Et souvent, je ressens ça. Ah, ce cœur-là ne vient pas de moi. Ce n'est pas mon cœur. Longtemps, il y a longtemps, c'est le mauvais esprit qui travaillait dans mon cœur. Mais maintenant, à chaque fois que je lis la Bible, la parole me donne de la paix, la joie, me fait comprendre la parole, je peux croire en cette parole, mais c'est trop bien. C'est l'Esprit Saint qui me conduit. Je peux maintenant distinguer l'esprit mauvais et le Saint-Esprit. Lorsque vous ne pouvez pas distinguer le guide du Saint-Esprit et le guide de l'esprit mauvais, lorsque vous ne pouvez pas distinguer si ce cœur-là vient de vous ou de la Bible, la plupart des gens, ils vont seulement suivre leurs pensées.
Mais lorsqu'on observe attentivement, on peut comprendre que à cette pensée, elle est différente de la parole de Dieu. Alors, elle vient du mauvais esprit. Cette pensée veut me détruire. Lorsque je suis cette pensée, je serai ruiné. On commence à distinguer ce genre de pensée. Lorsqu'on commence à distinguer, lorsque j'étais à l'armée, j'ai perdu mes gants. En ce moment-là, le chef nous demande où est-ce que tu as vendu tes gants? Il sait très bien qu'on a perdu nos gants. Et en ce moment-là, on frappait les soldats. Donc, lorsqu'on nous donne 40 coups sur les fesses, alors on ne peut pas dormir le dos par terre. On doit dormir le ventre par terre. J'avais vraiment peur. Et je me suis dit, je dois voler les gants. Donc j'ai décidé de voler les gants. Mais ce jour-là, qu'est-ce que Dieu me dit? Ah oui, si tu voles bien, on ne va pas t'attraper. La femme a prise en flagrant délit d'adultère, elle a essayé de commettre l'adultère sans que personne ne sache, n'est-ce pas? Mais si, en volant les gants, si quelqu'un t'attrape. Et ça m'a fait peur. Pendant 3 ans que j'ai passé à l'armée, ce qui me donnait plus de bonheur, c'était de prêcher l'évangile. Lorsque je prêchais l'évangile, mes collègues recevaient le salut un à un. Les autres soldats recevaient le salut aussi. Beaucoup de gens ont reçu le salut. Même si j'avais faim, j'étais heureux. Même malgré les difficultés, j'étais heureux. Tout mon bonheur se trouvait là. Mais si quelqu'un m'attrapait pendant que je vole les gants, alors les gens vont me dire, ah, la personne qui croit en Jésus, elle vole aussi. Alors je ne pourrai plus prêcher l'évangile. Quel est le bonheur dans le monde? Voyager entre familles? Je voyage vraiment beaucoup. Il n'y a personne qui voyage plus que moi. Mais à ce que je me souviens, je ne suis pas allée pour faire de tourisme. Lorsque j'arrive, je prêche, je fais des entretiens avec les gens et c'est ça mon bonheur. Le pasteur qui a témoigné ce matin, il allait dans une église à Fidji, mais il a rencontré la mission de la Bonne Nouvelle et il a reçu le salut. C'est vraiment reconnaissant. À chaque fois, je suis vraiment heureux. Chaque semaine, le matin à le dimanche matin, avec tous mes soldats inférieurs, je prêche l'évangile et après le culte, je fais des entretiens. Pendant 3 ans à l'armée, j'étais vraiment heureux. Les gens reçoivent le salut. C'est une joie qu'on ne peut échanger avec rien d'autre. Donc finalement, je n'ai pas volé les gants et j'ai prié devant le Seigneur. Dieu, si quelqu'un m'attrape pendant que je vole les gants, alors je ne pourrai pas prêcher l'évangile pendant les 3 ans. Alors, même si on va me frapper, moi je ne vais pas voler les gants. Alors donnez-moi une paire de gants. J'ai prié. Mais qui est-ce qui va me donner les gants à l'armée, alors que chacun a seulement une seule paire? Alors le lendemain matin, on était dans la cour et tout le monde avait des gants bleus. Et moi seule, j'avais les mains rouges. Je n'avais pas peur du froid, mais j'avais peur des fouets.
Ce jour-là, on s'entraînait à lancer des grenades. On a appris de la structure de la grenade et comment lancer les grenades. Donc, on faisait cet entraînement. Et à l'armée, il y a l'entraînement pendant 50 minutes et on a une pause de 10 minutes. Pendant la pause, un collègue est venu me voir. Hey, Oxu Park, tu n'as pas de gants? Je dis non, je n'ai pas. Je lui ai dit, ah, quelqu'un a volé mes gants. Et cet ami m'a dit, ah, fallait me le dire. Je lui ai demandé, tu as deux paires de gants? Oui, j'ai deux paires. Où est-ce que tu as volé? Oh, j'ai pas volé. Mais si tu n'as pas volé, comment est-ce que tu peux avoir deux paires de gants? Ah, le chef ici, c'est mon grand frère. Donc, mon frère, il m'a donné une autre paire de gants. Alors, il m'a donné, tiens, c'est à toi, tu peux prendre ça. Et ce jour-là, avant de dormir, je priais seule et j'étais vraiment reconnaissant. J'étais très reconnaissant. J'ai vu que dans toute ma vie, le Seigneur est avec moi, il me conduit. La pensée que j'ai et la pensée du Seigneur, elles sont différentes. Lorsque mes pensées se dirigent vers la vie charnelle, manger, s'amuser, et c'est l'esprit mauvais qui donne ces pensées. Mais j'ai vu que lorsque je suis mes pensées, j'ai tout échoué. Mais en étant guidée par la parole de Jésus, j'ai vu que même si ça semblait être difficile au début, à la fin, je vois que c'est rempli de la bénédiction. J'étais vraiment heureux. Donc, dans la ville de Samarie, il n'y avait rien à manger et les femmes mangeaient leurs bébés. Un jour, le serviteur de Dieu a dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. Par exemple, on va dire qu'un sac de riz, ça coûte 5 millions, mais c'est comme si le serviteur de Dieu, il dit demain à 7 heures, un sac de riz, ça va coûter 5 000 seulement. Alors, dans le cœur des gens, ils se disent, ah, d'accord, alors demain, on va bien manger, alors on va supporter aujourd'hui seulement, puisque c'est demain à 7 heures. Les gens sont très contents, mais le chef, il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Ainsi, les gens, ils sont d'accord avec cet officier. Ah oui, c'est vrai. Donc ce genre de choses ne se fait pas comme ça, mais il y a ce même phénomène même dans votre cœur. Il y a l'esprit mauvais qui conduit votre cœur, et par contre, il y a l'esprit de Dieu qui vous conduit aussi. Alors, ce jour-là, j'avais planifié de voler une paire de gants. Donc, la nuit, en faisant semblant d'aller aux toilettes, en sortant, je pouvais voler une paire de gants. Et lorsqu'on vole une paire de gants, sur chaque gant, les gens mettent leur signe. Par exemple, les gens, ils mettent des triangles pour tout ce qui leur appartient. Alors, si on vole, on va mettre un cercle au-dessus de ce triangle. Et en plus, la personne qui va voler ce gant-là, elle va mettre une croix là-dessus. Alors, de plus en plus, c'est... signes deviennent compliqués. Mais lorsqu'on vole quelque chose à l'armée, on ne vole pas ça seulement, mais on vole aussi ce qui est à côté pour mettre ce qu'on a volé à la place de ce qu'on vient de voler. Ainsi, on vole, etc., etc., et ça devient très compliqué. Et cette méthode est très développée à l'armée. Alors si moi aussi je suis cette méthode, je vole une paire de gants, puis je mets dans le casier d'un autre soldat, puis je vole
Les gants de ce soldat-là pour mettre dans une autre casier, comme ça personne ne va retrouver ses gants. Lorsque je vole une paire de gants et que j'ajoute un signe là-dessus, alors puisque ça va m'appartenir maintenant, personne ne va comprendre que j'ai volé ce gant. Donc ce sont les mêmes paires de gants qu'on a reçues à l'armée, donc c'est possible de voler. Mais je pense que c'est le Seigneur qui a mis ce cœur-là en moi. Ce cœur me disait, c'est possible qu'on ne t'arrête pas, mais si quelqu'un sait que tu as volé, comment est-ce que tu vas prêcher l'évangile à l'armée? À Oaksu Park, tu dis que tu crois en Jésus, mais tu voles bien. Tu n'es pas un vrai croyant. Si quelqu'un me dit cela, je ne peux rien dire. Peut-être je pouvais voler si je n'étais pas en train de prêcher l'évangile. Mais malgré la faim, j'étais très content de pouvoir prêcher l'évangile, très heureux de pouvoir parler de Dieu. De temps en temps, lorsque les sous-principaux me disent « Hé, Oxu Park, viens devant pour parler de ta vie spirituelle. » Et en ce moment-là, j'étais vraiment heureux. En ce moment-là, je recevais l'entraînement à Daegu, mais on voyait très rarement le pasteur de notre camp. Seulement, lors de la cérémonie d'entrée, ce pasteur ne disait que « La bénédiction de Dieu soit avec vous. » Après, il a fini le culte. Mais lorsque les dimanches on allait pour prier à l'église, le pasteur il ne venait pas. Et il y a un soldat qui vient et il dit, ah désolé, aujourd'hui le pasteur il est allé prêcher dans une autre église, donc il n'est pas là. On ne comprenait pas pourquoi est-ce que le pasteur de l'armée il allait dans une autre église pour prêcher alors que il appartient à l'armée. Alors on disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait venir ici partager la parole? Et moi, je courais pour aller devant, pour prêcher l'évangile. Et comme ça, j'ai prêché environ 3 fois lorsqu'on était dans ce camp d'entraînement. Ce jour-là, le Seigneur, il m'a dit, oui, tu peux voler. Oui, tu peux ne pas être attrapé. Mais comment est-ce que tu pourras prêcher l'évangile? Si tu ne vas pas pouvoir prêcher l'évangile pendant 3 ans, est-ce que tu pourrais dire que tu as fait de la vie spirituelle? Parce que Jésus est plus précieux que l'argent, plus précieux que tout. Alors la bénédiction que Dieu a donnée, c'est quelque chose qu'on ne peut échanger avec rien d'autre. Lorsqu'on lit 2 Rois chapitre 7, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. Maintenant, nous sommes vivants. Lorsqu'on peut croire en cette parole, tout le riz qu'on économisait à la maison, alors on va manger et puis le reste, on va vendre, n'est-ce pas? Parce que même si on vend ça à petit prix, demain à 7 heures, on pourra acheter plus de le double ou le triple de ça, n'est-ce pas? Parce que demain à 7 heures, il y a de la nourriture en abondance. Lorsqu'on écoute cette parole, alors la famine va finir dans notre cœur. Mais même si on écoute cette parole, mais si on ne croit pas, la famine ne va pas finir. Supposons que je suis dans cette ville. Si j'ai 10 kilos de riz, alors on va cuisiner 1 kilo de riz pour qu'on mange bien en famille. Et puis les 9 kilos, je vais les vendre. Parce qu'avec ce prix-là, je pourrais acheter même 50 kilos, 100 kilos de riz le lendemain. Alors, lorsque je crois en cette parole, la famine va finir dans mon cœur par la foi. Mais si je ne crois pas en cette parole, toujours j'aurai faim. Toujours, je serai dans la souffrance. Alors, lorsqu'il y a la parole, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. Mais Satan, il veut tuer ce cœur-là, il veut tuer la foi envers Dieu et il dit, comment est-ce que ce serait possible? Mais on voit que Dieu a travaillé à travers l'armée des Syriens et il a donné de la nourriture à travers les lépreux, n'est-ce pas? Dieu a donné de la sagesse à ces 4 lépreux. Lorsque la femme prise en flagrant délit d'adultère était au milieu de la foule, il y avait des gens qui voulaient la lapider. Mais Jésus leur a dit,
Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Avant la parole de Jésus, puisque leur cœur est ténébreux, ils pouvaient voir le péché de la femme adultère, mais ils ne pouvaient pas voir leur propre péché. Lorsque Jésus leur a dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle », ils pouvaient voir leur propre cœur. Vous aussi, lorsque vous êtes dans les ténèbres, vous vous mettez d'un seul côté et vous réfléchissez à ce côté-là. C'est très important parce que dans toute chose, vous allez voir qu'un seul côté. C'est pourquoi les gens, ils pouvaient seulement voir le péché de la femme adultère. Ils ne pouvaient pas voir leur propre péché. Mais après avoir découvert leur péché, ils avaient honte. Ils ont laissé la pierre et ils se sont enfuis. Lorsque Dieu travaille en nous, lorsque l'Esprit de Dieu entre en nous, qu'est-ce qu'on ressent? On comprend que jusque-là, on n'a pu voir qu'un seul côté. On voit que si ça marche bien d'un côté, ça ne marche pas bien pour l'autre. Ainsi, j'échouais et j'échouais. Mais lorsque la sagesse de Dieu est venue, je ne voyais plus un seul côté seulement, mais j'avais la sagesse de pouvoir voir l'autre côté aussi. Quelle est la différence entre les gens et moi? C'est que lorsque je parle de ces choses, ils sont très surpris. C'est lorsque l'Esprit de Dieu est entré dans mon cœur que cet Esprit m'a donné de la sagesse. J'ai reçu le pardon de péché par le sang de Dieu, par le sang de Jésus. Aujourd'hui, ça fait exactement 5 ans, 6 ans que j'ai reçu le salut et je peux voir clairement comment est-ce que l'Esprit de Dieu me conduit. Mais la plupart des gens, ils avancent très bien, mais un jour, ils échouent. Quelle est la différence? C'est parce qu'ils ne voient qu'un seul côté. C'est pourquoi ils ne voient que le côté qui marche bien. Il y a une dame, quelqu'un est venu la voir pour lui demander d'investir dans sa compagnie. Lorsqu'on pense un peu plus, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'une entreprise vient pour faire de l'emprunt auprès de moi? Alors que s'ils vont faire une banque, le taux d'intérêt est très bas, n'est-ce pas? Mais parce qu'ils n'ont pas assez de crédit pour pouvoir faire de l'emprunt auprès de la banque, c'est pourquoi ils viennent vers des particuliers. Parce que cette compagnie va bientôt échouer. Mais lorsque les gens pensent seulement au taux d'intérêt élevé qu'ils vont recevoir, ils vont donner leur argent. Puis 2 mois, 3 mois, ils vont recevoir le taux d'intérêt, mais ils vont perdre tout leur argent plus tard. Et je vois que leurs pensées n'arrivent pas jusque-là. Mais lorsque l'Esprit de Dieu entre en moi, alors on peut se rendre compte que l'esprit mauvais me donne des pensées, me donne de la haine pour me détruire. Vous venez à l'église, vous croyez en Jésus, et qu'est-ce que Dieu fait en nous? Il nous fait voir les choses qu'on ne peut pas voir, le monde qu'on ne peut pas voir, le monde qu'on ne peut pas ressentir. Jésus, à travers sa sagesse, nous apprend, lorsque nous lisons la Bible avec notre tête, logiquement, on peut comprendre le pardon du péché facilement. Mais on ne peut pas lire la Bible logiquement parce que l'esprit mauvais, à chaque fois qu'on lit la Bible, aveugle nos yeux. Dans la Bible, il y a beaucoup de parties qui disent que nos péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous ne pouvons pas comprendre cela. J'ai parlé avec le recteur d'université éthiopien et j'ai lu Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai lu ce verset et il a dit « Ah, je connais bien ce verset, j'apprends par cœur. » Et je lui ai demandé de lire le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce verset dit? Je lui ai demandé et il m'a dit, si on essaye, si on fournit les efforts, on devient juste. Et je lui ai demandé, mais il faut lire exactement. Il m'a dit, il faut prier dur pour devenir juste. C'est-à-dire, même si on voit avec nos propres yeux, nos pensées sont guidées par l'esprit mauvais. Et lorsque Satan travaille, on ne peut pas lire exactement. Beaucoup de gens disent qu'ils mènent la vie spirituelle, mais même si c'est écrit comme ça dans la Bible, ils ne lisent pas tel que c'est écrit, mais ils lisent avec la pensée que Satan leur donne. Alors ils ne peuvent pas sortir de leur statut de pécheur et ils vivent toujours dans le péché.
Lorsqu'ils comprennent le pardon de péché, ce n'est pas seulement avec notre propre compréhension, mais c'est à travers la sagesse de l'Esprit de Dieu. Oh, la foule qui voulait lapider la femme prise en flagrant délit d'adultère, ils avaient bien commis le péché eux aussi, mais ils n'ont pas pensé à leur péché, ils ont seulement pensé au péché de la femme. Lorsque Jésus a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la première pierre, c'est en ce moment-là qu'ils ont compris le péché, lorsque Jésus accorde sa grâce. Lorsque vous recevez le guide de Jésus, à travers la Bible, lorsque la parole de Dieu entre en vous, vous allez comprendre, ah, cette pensée vient de l'esprit mauvais, ah, ça c'est le Saint-Esprit qui me donne. Lorsque vous pouvez reconnaître cela, vous allez comprendre que si je suis cette pensée, je vais être détruit. C'est le mauvais esprit qui veut me conduire vers la destruction. Il y a une de nos sœurs, il y avait une voix qui lui disait continuellement « Il faut sauter de ton appartement ». Elle vivait au 38e étage. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'elle avait vraiment envie de se jeter par la fenêtre. Si elle avait bu, ou bien si elle avait pris des pilules, elle aurait sauté. La raison pour laquelle elle ne s'est pas jetée par la fenêtre, c'est parce que il y a un moment, il y avait une de ses connaissances avec qui elle devait faire de la randonnée. Cette amie avait tout préparé, mais ce soir-là, elle avait commis le suicide. Et la sœur, elle a compris que, ah, mon amie, elle avait écouté cette voix. C'est en suivant cette voix qu'elle a commis le suicide. Et ainsi, elle pouvait se libérer de cette voix. Et puis, elle est venue à l'église, elle a reçu le salut, elle est devenue une sœur de l'église. Bien-aimée, on ne voit que le monde visible. Mais il y a le monde invisible de l'esprit mauvais qui fait beaucoup de travail en nous. Dans la Bible, il y a 4 lépreux et Dieu donne de la sagesse à ces 4 lépreux. Ah, au début, on était 26, mais tout le monde est mort, il ne reste que nous 4. Nous avons vécu jusque-là, mais nous aussi, nous allons mourir ici. Si on entre dans la ville, on va nous tuer ici, et même si on reste là, on va mourir. Alors nous, on préfère aller à l'armée des Syriens. De toutes les façons, on va mourir. Si on nous tue, on va mourir. Si on nous laisse vivre, on va vivre. Au moins, on pourra voir la nourriture avant de mourir. Avant que Dieu ne leur donne de la sagesse, ils étaient seulement devant la porte de la ville. Ils étaient assis à la porte de la ville. Mais lorsqu'ils ont reçu la sagesse de Dieu, ils ont compris qu'ils étaient vraiment stupides. Ce n'est pas moi qui essaye de vivre différemment de ce que j'étais avant. Mais après le pardon de péché, je lis la Bible et lorsque le Saint-Esprit travaille en moi, le Saint-Esprit me montre que la vie que j'ai menée jusqu'à présent, c'est vraiment stupide. Alors ce n'est pas moi qui me suis déterminée à vivre différemment, mais c'est Jésus qui me conduisait. Lorsque les 4 lépreux, ils ont reçu la sagesse de Dieu, ils se sont dirigés vers l'armée des Syriens. Et Dieu a travaillé. Lorsqu'il allait vers l'armée des Syriens, ils tombaient par terre et c'était difficile pour eux d'y aller. Mais les Syriens, ils ont entendu ça comme le bruit des chars, des chevaux qui avançaient. Alors les Syriens qui étaient prêts à prendre leur petit déjeuner, ils se disaient « Ah, mais c'est quoi ce bruit ?» Et un des soldats ont dit « Ah, peut-être c'est le roi des Égyptiens et le roi des Essiens qui venaient nous attaquer. » Et lorsque tous les Syriens sont partis, les lépreux sont arrivés et ils ont dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Et lorsqu'ils sont entrés dans la tente, il y avait de la nourriture. Il y avait beaucoup de nourriture qui sont très délicieuses. Alors, ils se disaient « Est-ce qu'on rêve ?» Et ils ont mangé. Ils ont beaucoup mangé. Ils ont caché de l'or et de l'argent, ils ont mangé, ils ont caché. Et les lépreux se sont dit, c'est une bonne nouvelle. Et si on reste comme ça, on va nous punir. Alors allons-y dans la ville de Samarie pour apporter cette nouvelle. Alors les lépreux sont allés à la ville et ils ont crié, nous sommes allés à l'armée des Syriens. Le roi a entendu cette nouvelle. Alors, tout le monde est parti
Au camp des Syriens, ils ont vu qu'il y avait plein de nourriture que les Syriens avaient laissée. Alors, lorsqu'ils ont apporté tout ce que les Syriens ont laissé, ils pouvaient avoir une mesure de fleur de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle. Alors nous ne vivons pas seulement en suivant nos pensées, en suivant seulement notre confort, mais on doit distinguer si cette pensée vient de Satan ou de Dieu. Et lorsqu'on suit la parole de Dieu par la foi, à partir de ce moment-là, Dieu travaille en nous. Lorsqu'on réfléchit avec notre propre pensée, on pense qu'on a raison. Comment est-ce qu'on peut avoir une mesure de fleur de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle? Mais c'est pas possible. Même si l'Éternel va faire des fenêtres au ciel, c'est pas possible. Mais lorsqu'on croit à la parole de Dieu, qui nous est incompréhensible, on va recevoir la bénédiction et la grâce de Dieu. Dans notre vie, il y a des difficultés, des souffrances, mais à travers Dieu, on peut tout surmonter. On peut se libérer par la foi et on peut recevoir la bénédiction. On va vivre une vie bénite. On va vivre une vie bénite. Nous allons prier.